Ouais, bonjour. Alors je vais faire un sketch tout pourri. Regarde-le pas, quoi. Allez voir Katy Perry ou j'en sais rien, Jay-Z ou Nas ou j'en sais rien. Mais surtout, regardez pas mon sketch, il est pourri. On va jouer au juste poids. Juste poids, vous connaissez, c'est comme le juste prix, mais avec le poids en fait. J'ai deux objets là. J'ai un briquet qui marche pas. Ah bah si. Ah bah c'est bien, je pourrais m'en servir. Et des ciseaux qui marchent pas. Aïe! Ah bah si, bah je pourrais m'en servir aussi. On va peser le briquet. Bon alors, le briquet il pèse 11 grammes 20. 11 grammes 20 pour un briquet, ouais, c'est correct. On va peser les stylos maintenant. Alors, le ciseau. Le ciseau 11 grammes 20 aussi. 11 grammes 20, donc on peut constater en fait que ces deux objets font le même poids. En attendant, je vais jongler. Je vais jongler. Je sais pas si vous savez faire ça. Moi personnellement. Personnellement, je sais pas le faire. Mais ça aurait pu être bien quoi. On va continuer à peser. Bon, ah les ciseaux, ah, ils ont pris 0,01 grammes. Donc en fait, je pense que c'est parce que c'est logique. C'est logique parce qu'il y a une fine pellicule de poussière qui est venue s'amasser tout le long du ciseau et qui a donné du poids en fait, de la consistance au ciseau. Et le briquet, ah ouais, le briquet, il a carrément pris 0,02 grammes, vous voyez? Il fait 11 grammes 22. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est le même principe. Hein. C'est exactement le même principe. Il y a une fine couche de poussière qui est venue s'amasser le long du briquet.